La Cour constitutionnelle dominicaine prend une décision grave pour éliminer nationalité dominicaine tout descendant haïtien qui fait l'autre bord frontière à partir de 1929. Jet central électoral la gen un délai yon l'année pour retirer non tout moun ki nan catégorie ça sous liste électorale yo. Même si gouvernement haïtien yon pote ko di anyen officiellement samedi 48 temps après décision ça, mais y Cour constitutionnelle dominicaine nan provoke yon gros choc nan quelques secteurs. Président commission affaires étrangères chambre député Abel Descolines condamné Zaksa qui menaçait pour faire plus passer 300 000 petits haïtiens la gué sans nationalité tant que juif errant. Parlementaire qui fait partie bloc majoritaire présidentiel la PSP annoncé li pral chita à collègue li semaine k'ap vini an sous possibilité pour convoquer ministre affaires étrangères Pierre Richard Casimir sous dossier ça li kwe Haïti doit porter devant instance internationale yo. Député Abel Descolines t'est parlé dans téléphone à collaborateur nous Eddie Jackson Alexis. C'est tout simplement scandaleux. C'est révoltant que la République dominicaine, à travers un coup constitutionnel, certes, qui dans un pays souverain, de reconnaître la souveraineté de la République dominicaine pour que l'y décide bien évidemment de fonctionnement territorial. Néanmoins, aucun pays, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avec tout un ensemble d'institutions qui créaient notamment l'Organisation des Nations Unies, nous vînes tomber à vivre sous ça, l'interdépendance des États, parce que gagnaient des conventions, gagnaient des accords qui liaient. Donc nous croyons que la décision de la Cour constitutionnelle en République dominicaine, c'est tout simplement une décision scandaleuse qui, à mon avis, dérogeait à toute règle élémentaire du droit international. Il s'agit là, au niveau de la Commission des affaires étrangères, d'une réaction à chaud. Qui réponse Haïti a débattu dans une telle circonstance au regard du droit international? Réponse Haïti, li débattu là, li pas doué suivre, en tout cas, même démarche avec la République dominicaine, les nous dit suivre même démarche là, donc non pas l'État haïtien, pas doué verser dans l'absurdité, pas doué verser dans l'arbitraire, dans l'anarchie, l'État haïtien pas doué verser en tout cas dans une démarche pour violer des traités, des conventions internationales. Donc, nous souhaitons que le gouvernement haïtien, de façon urgente, prend des dispositions eu égard au droit international. Peut-être au départ, c'est dans l'OEA Bundal. Justement, au niveau de l'OEA, qui c'est l'Organisation des États américains. En tout cas, nous croyons sur cette question, il ne doit pas y avoir de questions d'idéologie politique. Nous croyons, face à un tel affront, face à une telle mesure que nous avons la certitude qui sont violations des traités et des conventions qui régissent le droit international, toutes les parties haïtiennes nous devons mobiliser pour bailler en réponse comme État vis-à-vis de la République dominicaine.